Et yop tout le monde, c'est EJ Racing et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FA 2017 en fond de gameplay. Juste pour vous parler comme ça tranquillement, car comme vous l'avez vu à la miniature, on va parler des projets. C'est on va dire la deuxième partie de la vidéo qui est sortie mardi dernier. Cette vidéo sortira mercredi normalement, donc quasiment une semaine après. À l'heure où je la tourne, on est le dimanche. Donc on va parler rapidement des différents projets qui arrivent sur la chaîne, plus précisément. Donc déjà, on va dire ils vont arriver courant juin, tous, plus ou moins. Il y en a d'autres qui vont commencer là pendant les vacances. Ben voilà. On devrait passer à partir du 7-8 juin à un upload par jour ou tous les deux jours pendant les trois prochains mois qui arriveraient, juin, juillet, août, car je serai en vacances, donc j'aurai le temps. J'aurai plus ça à faire, donc je vous ferai les vidéos, c'est pas un souci. La série sur F1 2017, on fera qu'une seule saison. Donc la carrière s'arrêtera à Abu Dhabi au bout d'une saison, Inch'Allah si on est champion, hein, malgré que j'y crois pas beaucoup. Mais en gros, le but serait d'être le plus haut possible, tout simplement. Je suis rendu à tourner l'Autriche. Faut maintenant que j'enregistre donc l'Autriche, le Royaume-Uni et le reste de la saison. Donc mon but serait de finir cette saison avant le début juin. Comme ça, début juin, on entame une nouvelle série qui serait sur F1 2016 cette fois-ci avec la Ferrari, enfin avec la Ferrari et la Scuderia tout simplement. Et on serait, le but serait de remonter Ferrari le plus haut possible et être champion en une saison. Ça s'appellera tout la victoire, je sais. J'ai encore des hésitations, non, mais la série est presque faite. Est presque prête, disons-le comme ça. Et ça sera vraiment, je pense que vous aurez sur F1 2016 ce que vous aurez à peu près sur F1 2018, car ça sera mon entraînement, on va dire. Comment je pourrais tourner ça? Ma préparation, montage, commentary et tout, enfin, vous verrez, ça sera Q1, Q2, Q3, 50%. Voilà. Pendant ces vacances-là, je vais commencer à vous enregistrer des vidéos sur Assetto Corsa, des présentations de véhicules, donc comme Hydro et des Piello le font, par exemple, des Piello avec ses Virtual Corsa Clienti, mais lui, c'est que des Ferrari, des F1 de chez Ferrari. Moi, je vais pas faire comme ça, je vais présenter des Formule 1, oui, il y en aura pas mal, oui, mais je vais également présenter des GT, des WEC de la Road Car, comme je disais dans ma dernière vidéo. Mais moi, je prendrai pas que à cette occasion, je prendrai un maximum de jeux typés sport automobile. Et comme ça, vous aurez un large choix de voitures à découvrir. Voilà. Pour ce qui est de F1 2018, tout simplement, le jeu sort fin août. J'ai choisi l'équipe, déjà, on est en fin avril, début mai, on n'a toujours pas eu de trailer et tout. Je commence déjà à plancher sur la série, donc j'espère faire un truc bien. Ce qui devrait se passer, ça serait en gros, juin, juillet, août, je prépare la série. Août, le jeu sort, le trailer sort quelques jours avant. Le jeu, je vais essayer de m'arranger pour le recevoir 24-48 heures avant pour histoire de vous sortir les épisodes comme il faut. Vous aurez un gros projet qui se trame en coulisses avec l'ami Velka. Je vous mettrai sa chaîne en description si j'y pense. Sinon, il mettra le lien dans un des commentaires. Hein. Je compte sur lui. Ça va être un énorme projet. J'espère qu'il va bien se passer, que tout sera bien. Et que, ma foi, on sera pas trop mal. Il y aura un minimum de mecs réglo, on va dire. Également, mon objectif avec F1 2018, c'est de vous proposer une carrière en sport automobile. Donc on associera évidemment, vous avez compris, Project Cars 2 et F1 2018 quand il sortira. Donc juin, juillet, jusqu'à fin août, ce sera, enfin jusqu'à la sortie de F1 2018, ce sera du Project Cars 2 sur la carrière. Donc on s'appellera évidemment Arthur Guérin, numéro 15, Patati. Vous connaissez les bails, je change pas ça d'une année à l'autre. Ça fait depuis F1 2016, je suis comme ça sur les jeux de Codemasters, donc on changera pas. Donc... Pour cela, on sera pour commencer notre carrière en karting sur Project Cars 2, tout simplement.
Je pense que le karting, je le ferai à la manette parce qu'au volant, j'y arrive vraiment pas. Donc à la manette, je vais voir ce que ça donne. Mais normalement, je devrais être à la manette. Donc, Inch'Allah, moi je vous dis. Pour ce qui est de la compétition, tout ce qui est multijoueur, de diverses choses et variées, on va l'aborder maintenant parce que mine de rien, ça va être une part importante aussi sur l'année qui va arriver parce que il y a des choses qui arrivent qui vont être bien. Pour ceux qui connaissent, je suppose vous le connaissez tous, hein, notre cher ami JL Racing a créé le championnat avec le cher ami Yanis tout simplement. Sur F1 2017, la F1 Racing Cup, tous les samedis à 16h. N'hésitez pas à venir les voir rouler, c'est bien, c'est sympa leur championnat. Enfin, le championnat. J'ai devait participer à la saison avec As, j'ai fait que la dernière manche. Voilà, la dernière course à Bahreïn. Ouais, Bahreïn. J'ai fait le premier week-end de la saison 2, donc c'était l'Espagne et Monaco avec cette fameuse McLaren. J'ai pas continué le championnat car tout simplement j'avais des problèmes de type volant. Et comment t'expliquer que la McLaren, c'était pas non plus mon dada. Et normalement, si tout se passe bien, la saison 3 arrive très prochainement. Elle va avoir quelques changements, mais en gros, la saison 3, je serai chez Toro Rosso pour essayer de me battre. Mon coéquipier sera Nico, le champion de la saison 1. Donc, c'est un gros level, clairement. Moi, à côté, je suis un Bambi, clairement. Mais c'est pour ça que je vous referai une vidéo pour vous en parler. Mais il y aura des sessions entraînement par semaine. Je sais pas encore comment ils vont se passer. Mais des sessions d'entraînement que je vais faire avec les abonnés. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Hein. Vous connaissez les bails, c'est dans le à propos de la chaîne. Je vous le raffiche pas une nouvelle fois. Hein, vous commencez à connaître à force. Et de toute façon, c'est pas le moment d'en parler pour le moment des entraînements tout simplement. Pour ce qui est de Gran Turismo, de plein de choses. Gran Turismo, alors, pour ceux qui ne savent pas déjà, j'ai rejoint une équipe e-sport amateur qui est la Mentality. Je suis dans le roster Gran Turismo et je participe donc aux courses des nations. Je la fais pas trop en ce moment parce que j'ai pas le temps. Surtout une grosse flemme de ma part. Et dès que je sais que le. Parce que je sais que c'est des saisons test. Encore cette semaine, ça a été les saisons test. Ils avaient annoncé, pourtant, on avait eu des leaks comme quoi ça serait courant avril 2018. On arrive fin avril, on n'a toujours pas la saison officielle qui est commencée, donc c'est dommage. On attend de voir, mais moi je sens qu'elle va arriver là dans la semaine. Enfin, j'espère fin de semaine, on commence la vraie saison. Et là, dans ces cas-là, à cause des nations, je serai présent. En plus, je serai en vacances, donc c'est parfait. Pour les commencer, ça sera bien. Pour ce qui est. Donc, course des nations, j'y participe quand je suis motivé, mais dès que la saison officielle débutera, j'y serai. Course des nations, je pense que vous le connaissez également, le forum Fuel F1, donc qui propose évidemment du championnat F1 en 2017, avec Formule 1 et Formule 2, hein, on n'est pas fou. Et également, il y a un championnat GR3 sur Gran Turismo Sport, et j'y participe avec l'ami Libervic, JL Racing et Lamso. On a choisi la Porsche. Je vous mettrai peut-être quelques screens. J'ai préparé une livrée, du moins que j'utilise moi. Après, je ne sais pas encore. Alors, vendredi, j'y ai participé. J'ai vu, il y avait un énorme level. Je suis un énorme Bambi à côté d'eux. C'est pour ça aussi que vous aurez des entraînements, si vous le souhaitez, avec moi sur Gran Turismo. Donc, on verra comment ça va se passer. Peut-être qu'un jour, ça sera. Enfin, une semaine, ça sera de l'entraînement F1 2017. Et une semaine, ça sera du Gran Turismo. Je ne sais pas encore, mais de toute façon. Je ferai une séance d'entraînement par semaine avec les abonnés. Après, ce jeu que je streamerai. Après, on verra si je les streamerai tous ou je ferai ça. Je sais pas encore. À voir. Donc voilà. Pour la F1 Racing Cup, qui va changer de nom, qui va s'appeler la VRC Racing Cup. Ce championnat, pardon, je le ferai vraiment pour mon plaisir. Je vais pas tryhard non plus comme un gros sac à merde. Après, je vais pas non plus venir me les mains dans les poches, mais je vais quand même pas non plus faire comme si c'était un championnat ultra important. Car j'ai, on va dire, d'autres choses telles que Gran Turismo qui sont prioritaires pour le moment. Pour ce qui est également donc du coup de la F1 Racing Cup, je pense que ce qui va se passer, les courses, je les streamerai pas parce que ça me boufferait trop de co. Mais par contre, je les enregistrerai. On va voir encore si je commenterai en live ou pas.
C'est encore à reconfirmer. Mais je pense qu'il va se passer. J'en ferai des résumés le dimanche ou le lundi. Comme ça, ça vous ferait deux vidéos par jour. Parce que, en fait, je vous explique, là, j'ai établi un planning provisoire pour le moment. Et le dimanche, pour le moment, c'est des vidéos diverses. Donc, soit je fais diverses, ou alors le week-end de Grand Prix, des Last of Us, ou des défis sur le circuit du week-end, tout simplement. Et sauf que là, ça voudrait dire il y aurait deux uploads par jour, le dimanche et le lundi. Je sais pas encore comment je vais me répartir ça. On verra. Mais vous aurez de toute façon les résumés ou des lives. Live, je pense moins. Pour ces courses-là compétitives sur la F1 Racing Cup, je l'appelle comme ça pour le moment, c'est plus simple. Dès que j'ai le nom de le nouveau nom de ce championnat, je vous le donne. Kilkri, je vous mettrai peut-être sa chaîne en description si j'y pense aussi. Il a sorti une vidéo ce matin, donc comme je vous le dis, alors qu'on se parle, on est dimanche. Donc il a sorti une vidéo pour montrer le générique du VRC, donc c'était vraiment cool. Il est vraiment bien fait ce générique, je trouve, personnellement, à titre personnel. Et est-ce que je fais les Fin Esports Series? Oui. Donc, enfin, est-ce que j'y participe? Oui. Est-ce que je suis à Bambi? Oui. Est-ce que je suis plus que dans le top 1000? Oui. Et pour vous donner une petite idée, je sais pas le résultat que j'ai fait, mais je suis très loin, vraiment très loin du top 10. Voilà. Bref. Je pense que je vous ai tout parlé. Donc vous avez vu cette semaine, je vous ai sorti aussi un épisode du Track Day. Dites-moi si ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des idées de défis, parce que les défis, je vous en propose. Enfin, je vais tenter d'en faire. Je sais pas à partir de quand. Donc peut-être pendant que je serai en vacances sur F1 2017, Project Cars 2, assez tôt, je sais pas. Proposez-moi le jeu dans la limite du raisonnable, bien évidemment, sur divers jeux. À faire, pourquoi pas, ça serait, j'avais plaisir que je les prendrais. Tout ça se passerait sur Twitter ou en commentaire des vidéos, je verrai quand est-ce que cela commence. Pour ce qui est aussi donc du coup des fins 2017, on va rusher la fin de saison, mais on va la faire correctement. Sauf que ne vous étonnez pas si au bout d'un moment de la saison j'arrête de faire les overlays, les HUD et choses, on va dire à peu près potable, même si je trouve ça extrêmement moche, hein. Plus je les fais les vidéos, moins je les sens, je les trouve beaux. Donc c'est pour ça que je sais pas si je vais les poursuivre, genre les noms des pilotes sur les courses, on verra. Pour ce qui est aussi donc F1 2017, pour pas que vous perdiez la série, je pense qu'il va se passer, je vais vous faire des vidéos en mode championnat. Peut-être je vais lancer un championnat du monde 2017 avec, je sais pas, Sébastien Vettel et essayer de devenir champion du monde. Voilà. Ou je sais pas encore, on verra. Pour le moment, j'ai encore rien réfléchi sur ça. Pour pas que vous perdiez non plus fin 2017 pendant deux mois, faut essayer des choses. Et je vais les essayer. On approche des 20 abonnés, donc je vous en remercie. Mon objectif serait d'avoir les 50 avant fin août, avant la sortie des fins 2017. Avec les fins 2017, je sais que je ferai un big up. Parce que j'avais pris presque 100 abonnés en une semaine à l'époque de la sortie du jeu il y a un an. J'avais fait 100 abonnés en une semaine, plus de 4000 vues sur le premier épisode de la carrière en Australie. J'étais là, j'étais waouh quoi, c'était unbelievable quoi, c'était fantastique, clairement c'était bien. Alors espérons que cela marche autant cette année. Certes j'avais peut-être plus d'abonnés, mais là, vu ce qui va se passer, vu les vidéos que je vais vous sortir, je vais normalement en gagner des abonnés, je l'espère du moins. Ce qui va se passer aussi, quand on aura les premières infos des fins 2017, je vous les présente, les trailers, je vous les sors, je vous les balance sur ma chaîne aussi. Le dernier, je faisais mon feignant, je vous les balançais pas, je vous les mettais en description que je mettais jamais. Donc on se retrouvera sur très prochainement pour la suite de notre carrière sur les fins 2017, le lancement de plein de séries. Moi je vous laisse la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires. N'oubliez pas de me donner vos défis dans les commentaires ou sur Twitter. Et je les réaliserai avec plaisir. Et moi, je vous dis bon game et ciao tout le monde. Peace.